parmi nous quand même. Manifestez. Dégagez le passage. S'il vous plaît, dégagez le passage. C'est un plus de pas de réalité. C'est un modèle. Il était modèle. Allez. C'est le président. La famille est là. Voulez-vous approcher un peu, s'il vous plaît? Présentez! Thank you.
de ce côté-là. Oui. Et nous allons suivre le cortège. D'abord, on a pris la douce de Guillaume. Cet homme a marqué toute ma vie depuis l'âge de 19 ans comme étudiant. Et comme à l'époque, on pouvait fréquenter plusieurs facultés en même temps, on était dans trois facultés. Et dans toutes les trois facultés, ça, on était remarqué maintenant. On est en droit, on est en ethnologie. On est en route d'études internationales et puis je suis auditeur dans le quatrième à l'école normale supérieure. Donc révolution cubaine. Elle m'a présenté, non, j'étais à route d'études internationales. Alors, il y a une erreur qui a commencé en 1973, en septembre 73. Le 21 septembre 73, m'a présenté thèse dans la faculté de droit, le conflit israélo-arabe et l'avenir de la paix internationale. Mais en premier rangée se trouvent tous les professeurs de la faculté. Ça mène à Mademoiselle Yannick Collin. Et moi, je suis parti le lendemain matin, qui est 22 septembre, pour faire maîtrise aux États-Unis, à Wheaton Graduate School. Mais pendant Wheaton, je m'ai écrit mémoire et puis je suis venu en vacances. 76, mal soutenu la haute étude internationale. Et puis, je retourne à Wheaton pour continuer pour faire mes études. Maintenant, et cet homme m'a marqué, comme moi, je suis toujours aimé, belle prédication, et aimé, belle poésie. Donc là, c'était mieux. Et puis, il m'a adopté effectivement comme un étudiant. Et alors, comme un étudiant spécial, je suis capable de dire, l'homme en ethnologie, je suis venu, l'homme en haute études internationales, je suis venu, l'homme en droit, je suis venu, et décider d'aligner le comportement sous carrière, façon que ça a fait, etc. Et puis, effectivement, il m'a accompagné dans les moments d'étudiant, comme mentor, comme professeur. Maintenant, je suis devenu avocat, il est au barreau. Le premier procès de ma carrière que je plaidais, c'était entre 13, 15 et 16 décembre 1978. Moi, j'ai seulement quelques mois au barreau de Port-au-Prince. Et qui est-ce qui m'accompagne dans ce procès? C'était un ami du président, il est Louis Robert Mackenzie, qui était ambassadeur au Brésil. Et puis, gagnait ambassadeur à Moury, ambassadeur Pierre-Louis Moury. Et il dit, c'est lui-même qui était payé et tué. Et je suis l'avocat de Louis Robert Mackenzie, qui était un ami de collège, un ami d'enfance du président de la République. Mal défendu, mais c'était mon premier procès criminel. Le premier personnage vers qui je me suis tourné pour aller, vers lui pour lui dire de m'aider, c'est M. Girogou. Et là, ça a tout été gagné à côté de moi, M. Gervais, t'es gagné M. Gérard Noël, et moi-même là. C'est au cours de ce procès que M. Girogou a lancé cette phrase que les avocats ont répété par la suite. Si la vérité est dans un puits, nous y descendrons pour la mettre au dehors. Maître Girogou, il m'a marqué dans ce procès. Nous avons gagné vers 4 ou 5 heures du matin.
Nous avons été libérés, Louis Aubert Mackenzie, vers 7h. À 9h, Malachi Soulier, et puis marié à 5h du soir. Donc, 16 décembre 1978, c'est une date qui doublement marque moi, mon premier procès criminel que j'ai gagné, avec à mes côtés mon maître Gérard Bou. Et vers 10h, Malachi Soulier, pour mal marié. À 6h du soir, moi marié avec une demoiselle, ma fiancée, qui était là. Donc, elle m'a présenté mémoire, Maître Gérard Gour en première ligne. Elle m'a présenté deuxième mémoire mode d'études. Elle est toujours là, en première ligne. Et elle m'a prêté serment. Elle était là. Elle m'a fait premier. Donc, c'est mentor. Premier poste. C'est plus qu'un mentor. C'est un modèle. C'est mon mentor. C'est mon maître. Maître Gour, c'est pas un pied éloquent. Non, mon cher, je ne pas connaît. Mais il y a un bagage qui fait que le la parler ou à côté le sorti ou à côté le bralé. Et puis il y a la logique, le bon sens. Lorsque, en 2010, je plaidais pour ce Jude Célestin, je ne pas préparé, je prends note et je plaide. Je parlais pendant 1h20. Une balle, téléphone dans son air. Il dit mon fils, Osner, il dit maître. Tu peux mourir ce soir, car tu as dépassé Démosthène, Dieu, tu as dépassé Rigal, tu as dépassé et Vincent, tu as dépassé les autres. Je suis fier de toi, fiston. Et j'ai senti l'émotion dans sa voix. Il dit, mais c'est une consécration t'entendre parler comme ça. Tu le mérites, mon fils. Je suis fier de toi. Ok, allez, embrasse Yannick pour moi. C'était les propos de Maître Gérard Gour. Et il dit, tu dois faire un livre. Tu dois faire un livre avec ça. Et effectivement, moi, écrit un livre que moi, Monsieur le Président, je demande la parole. Et là-dedans, moi, retracé tout procès et me dédié à mon mentor et maître, Maître Gérard Gour. Merci, Maître Février. C'est à moi de vous remercier. D'accord. Et me présenter encore sympathie à tout le monde qui touche. À tout le monde qui Monsieur le Fidèle Léon, je dois parler. Merci. Monsieur le Fidèle Léon, je dois parler. Bon. Je dis en pays, oui. Si on ne vous pas, pam, oui, c'est vrai, il l'avait dit. On va finir. Oui.